Où est-ce? Je suis arrivée pour la première fois à Skillgate en 1996. Je travaillais à un projet appelé Stone Soup. Il s'agissait d'une cérémonie pour demander la permission d'entrer sur le territoire de chaque nation autochtone qui possédait le titre de propriété de la terre qu'on traversait. Et les gens continuaient de me demander « Pourquoi fait-on cela? » Et je l'ignorais. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Skidgate. La fin de la route. Alors, j'ai commencé à comprendre que Percy Gladstone était derrière nous. J'ai compris que j'étais l'interprète de quelque chose qui devait être dit. Et on était en train de voyager. J'ai grandi avec Percy Gladstone. Je l'ai connu depuis que j'étais bébé. Il a fait partie de ma famille pendant 25 ans et il a eu une grande influence. Je suis revenue à Skidgate plusieurs fois. Une idée commençait à germer. Je possédais des morceaux de ce puzzle, juste quelques fragments de mon univers. Percy avait passé 25 ans, mais le reste des morceaux se trouvait à Skidgate, dans les souvenirs et dans le cœur des gens d'ici. J'ai commencé à penser qu'il fallait réunir ces fragments issus de deux univers différents, avec ceux qui le connaissaient et qui l'aimaient, pour donner une idée complète de Percy Gladstone, pour créer un spectacle de danse en sa mémoire, en l'honneur d'un grand homme. J'ai commencé à chercher un moyen de rétablir le lien avec Percy quand je suis venue à Skidgate. Kuja m'a présenté à Gladys Gladstone. Ça m'a tellement soulagée de la rencontrer et de savoir qu'elle était avec lui quand il est mort. Et elle m'a présenté à beaucoup de gens, des gens de sa famille à lui, à son neveu Clayton et au fils de Clayton, Clayton Jr., à son frère Phil, et au fils de Phil, Ernie. Elle m'a présenté à Mélanie, son héritière. Elle m'a présenté à Bee Harley, de son clan. Et j'ai rencontré les anciens qui m'ont dit beaucoup, beaucoup de choses. Elle m'a présenté à Diane Brown, qui m'a parlé de sa vision du peuple Haïda. C'est comme si chacun possédait un fragment, juste un morceau du puzzle. Nos familles étaient liées grâce à Percy. Il a été pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale, issu de ces générations d'un navigateur Haïda, un grand pilote. Après la guerre, il est allé à l'Université de la Colombie-Britannique. Mon père a été un de ses professeurs. Il y enseignait l'économie. Il a commencé comme étudiant et est devenu adjoint à la recherche. Ils ont commencé à collaborer à des projets pendant de nombreuses années. Ils sont devenus très amis. In the early years of restarting Council of the Haida Nation, we had asked for some help from people like Percy Gladstone, Percy Williams. But I knew something like this was coming. But he credits him with inspiring him to be into Native, because he was one of the originators, inventors or architects. But he credits him with inspiring him to be into Native.
J'ai commencé à essayer de dessiner la vision comme si elle venait de ce que j'apprenais. Avec des cercles concentriques, des ondulations allant vers l'extérieur, à partir de l'individu vers sa famille, vers son clan, vers sa communauté, et vers la terre qu'il allait créer avec les danseurs, les chanteurs et les orateurs Haïda. Another reason is that some of the things are just too sacred to be recorded on camera. But I think it's also at the same time it's important to share something so that people can learn. Any ideas how to find out where that line is? Meet with the elders. You know, when you come back the next go around mm-hmm. and you're ready to start testing it, mm-hmm. Then share with them what you want to do. I'm trying to find out where that line is. And... Les gens sont comme les arbres et les groupes de gens comme les forêts. Les forêts sont formées de toutes sortes d'arbres. Ces arbres entremêlent leurs racines si solidement qu'il est impossible, même pour les vents les plus forts qui soufflent sur nos îles, de déraciner la forêt. Car chaque arbre renforce son voisin et leurs racines s'entrelacent inextricablement. De même, les habitants de nos îles appartiennent à des races et à des nations du monde entier, et commencent à mêler leurs racines si fort que rien ne pourra les séparer. Ohina,